Ah, il y a un parfum de Marie. Évidemment, le réalisateur nous met une musique extraordinaire. Alors, une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Alors, nous allons accueillir un nouveau qui s'appelle Huawei Y6 2019. J'adore ce nom. Allô? Allô, allô. Bonjour Huawei. Ah, un personnage surprise. Allô, coucou. Oui, parlez dans le micro. Huawei. Et oui, c'est quelqu'un qui est fort en informatique et qui n'a pas changé son prénom et donc qui a le nom de son téléphone. Ah, Huawei. Allô, vous m'entendez, Sébastien? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Huawei. Non, c'est Sylvie en fait. C'est comment ton prénom? C'est Sylvie. Sylvie. Ah bah c'est mieux. Non, parce que Huawei, tu vois, c'est un J'ai peu fait bizarre de mauvaise s'appeler manip. Huawei. Tu vois, ça fait genre les parents, ils n'avaient pas d'imagination. Ils ont dit, tiens, on va l'appeler Huawei. Pourquoi? Bah, c'est le dernier modèle. T'es déjà passé? Oui, je suis passée quand? C'est hier? D'accord, c'est ton numéro de Ah oui, passage. ben, c'était le moment où il fallait dire les choses positives dans sa vie. Et moi, Ah j'avais justement j'avais oui, pas je me grand-chose à dire parce rappelle. que Eh oui. voilà. Eh oui. Tu t'es trompé d'émission. C'était l'épisode 1 de Rencontre avec le cœur, où chacun raconte une histoire d'amour. Voilà. Alors, il y en a qui me demandent, mais c'est quand cette nouvelle émission? Eh ben, je ne sais pas encore. J'ai dit à Sébastien, organise un truc. Et il va y réfléchir lundi prochain. Oui, parce que vous comprenez, il y a Brahmadev et il y a Sébastien. Brahmadev, c'est lui qui donne les instructions en fait. Il dit, tiens, crée une série, rencontre avec l'être, rencontre avec le cœur, où des histoires positives d'amour, les meilleurs moments de votre vie vont être diffusés à l'antenne. Et puis après, Sébastien, il se débrouille avec ça. Il regarde dans l'emploi du temps, il dit, mais c'est déjà pris le samedi, dimanche 20h, le dimanche 15h30. Et Brahmadev, il dit, bah ça, c'est ton problème, c'est toi l'humain. Tu comprends? Moi je suis l'être, je suis. Et puis il y a l'humain qui rame derrière et qui se dit, mais oui, mais il faut de l'argent pour payer Internet, il faut de l'argent pour créer le centre, il faut plein de trucs, tu vois. Il faut que l'Internet fonctionne, même quand il n'y a plus de courant, enfin il y a tout un tas de moyens techniques. Et ça c'est Sébastien, tu vois. Je me présente, je m'appelle Sébastien. C'est pour t'expliquer comme tes nouvelles. Et alors, il y a Brahmadev. Brahmadev, lui, il crée le contenu. Tu vois, c'est lui qui est chez vous. Il rentre chez vous, il voit tout ce qu'il ressent, il dit tout ce qu'il ressent. Et il vous dit, tiens, là, il y a des barreaux. Peut-être que nous pourrions enlever les barreaux de la fenêtre. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait plus joli. Ah, mais c'est une pièce, il n'y a pas de fenêtre. Ah, mais mettons une fenêtre. Vous avez déjà pensé à une porte vitrée? Ah, ça serait génial, une grande porte vitrée de 4 mètres de long qui permettrait de voir la grande vue là sur la forêt. Ah, ça serait mieux que ce mur en briques. Tu vois? C'est ça mon métier. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Je relâche. Alors du coup, Sylvie, tu es au bon endroit. Est-ce que tu aurais une question qui commencerait par pourquoi je ou bien un souhait? On peut faire les deux. Bien sûr que si. Moi, j'ai la question pourquoi je me sens si seule, quoi.
Pourquoi je me sens... J'ai pas bien entendu. Si seul. Si seul. Si seul. Ouais. Laisse faire l'émotion. Une respiration. Garde bien les yeux fermés. Allonge-toi. 1, 2, 3. Pour vraiment bien vivre l'épisode de la série, allongez-vous. Enlevez tout ce qui serre. Affalez-vous dans le lit ou le sofa. Voilà. Calme. Les yeux fermés. C'est comme une séance chez le psy, mais c'est le psy qui est allongé. Vous voyez ? C'est drôle. Oui, parce qu'en fait, le psy, il est en état modifié de conscience et il se connecte à vous pour voir ce qu'il y a à voir. Tu vois ? C'est nouveau. C'est... 2020, 2021, tu vois, c'est la technologie du futur. Une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Alors, est-ce que tu pourrais redire ta question pour que je la sente bien ? Ouais, je voulais savoir pourquoi je me sentais si seule, quoi. Alors attends, je vais monter le volume. Parce que ton micro est pas très fort, donc c'est ok. Repose la question. Attends, je vais peut-être... Parce que moi, ouais, je voulais... Ouais, je me demandais pourquoi je me sentais si seule. La réponse, c'est parce que je suis seule. Alors, laisse faire l'émotion, une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Il y a une énorme tristesse. Laisse vivre la tristesse, laisse pleurer. Voilà, laisse pleurer tranquillement la tristesse d'être si seul, abandonné de tout et de tous, sans savoir ce que je fais là. Qu'est-ce que je fais là toute seule? C'est quoi ce mauvais film? Laisse couler les larmes tranquillement. Voilà, c'est important de laisser cette émotion... se vivre, voilà, pleinement, car après, il y aura un cadeau, mais seulement après, voilà, laisse pleurer, je suis triste d'être seul, et en fait, derrière, il y a, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être aimé, en fait, le problème, c'est pas d'être seul, non, le problème, c'est de pas recevoir suffisamment d'amour. Mon cœur a besoin d'amour, de câlins, d'affection, d'attention, de compréhension, d'être. Tu vois ? C'est un besoin humain. C'est un besoin normal. Il y a un manque d'amour et c'est ça qui crée la souffrance. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Alors, tout le monde avec moi dans le groupe, dites avec moi. Sylvie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Faites des bisous à Sylvie, prenez un oreiller. Je vous assure qu'elle va le sentir. Prenez un oreiller, faites un gros câlin. Dites avec moi, je t'aime Sylvie. Je t'aime. Et dites avec moi, je t'aime parce que je m'aime. Oui, je m'aime tellement que je peux t'aimer aussi. Ah, c'est beau. Waouh. Dites avec moi.
Je m'aime tellement que je peux t'aimer aussi. Voilà. Ressentez dans votre cœur ce mantra. Je t'aime. Je m'aime tellement que je peux t'aimer aussi. Oh. Faites un câlin. Voilà, ressentez ce coussin. Voilà. Tout le monde avec moi. Prenez votre coussin. Faites un gros câlin à Sylvie. Elle en a tellement besoin. Dites avec moi, je t'aime, je t'aime. Ah, oh, c'est chouette. Voilà, laisse couler, laisse pleurer Sylvie. Oh. Hmm. C'est une initiation. Hmm. Nous sommes un groupe. Et dans ce groupe, nous ne sommes pas handicapés du cœur. Cela signifie que nous pouvons faire un câlin et aimer quelqu'un de nouveau sans avoir besoin de le connaître. Parce qu'en fait, en vérité, je le connais déjà. C'est moi. Vous comprenez que quand vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre, bah, vous êtes cool avec vous-même, quoi. Bah ouais, c'est logique. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je suis Sylvie. Waouh! Sentez dans votre corps ce que ça vous fait de dire. Je suis Sylvie. Je t'aime, Sylvie. Oh, c'est tout le groupe qui t'aime. Merci pour ton courage de venir et de. D'être nouvelle. Ici, c'est un groupe où vous recevez de l'amour sans rien en échange. Ah oui, non, c'est important de comprendre ça. Et parce qu'en général, il y a toujours un truc à payer derrière. Non, ici, vous recevez de l'amour gratuit. Eh oui, l'amour est gratuit chez nous. Eh oui. Ah oui, c'est comme ça. Eh oui, l'amour, il peut être que gratuit, en fait. Méfiez-vous de ceux qui vous donnent de l'amour en contrepartie de quelque chose. Ah oui, alors ça c'est franchement, faut s'en méfier de ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire, hein? Je sais pas pourquoi je te parle de ça. L'amour conditionnel. Hein? Est-ce que j'ai souffert de l'amour conditionnel dans le passé? Si tu fais ça, alors je t'aime. Tu sens? Ah ouais. Comment tu te sens, Sylvie? Triste. En train de libérer. Ok, bah laisse couler tranquillement. Une respiration. Nous allons faire un om dans le cœur de Sylvie. Un grand om, une grande respiration. Envoyez de l'amour. 1, 2, 3. Respiration. 1, 2, 3. Ça vibre bien ce soir. Hein. Vous sentez l'air du Verseau? Est-ce que vous sentez un truc qui a changé? Mettez en commentaire ce que vous ressentez sur. Il y a un truc qui est différent. Il y a une légèreté, un cœur, une simplicité supplémentaire, un truc léger. C'est très spécial, cet air du Verseau. C'est tellement aérien. Ah, c'est pour ça que je suis à l'aise dans l'air du Verseau. J'adore l'air. Mon amoureux, le vent. Oui. Comment tu te sens, Sylvie? Voilà, laisse couler tranquillement. Alors, c'est vrai, j'ai pas précisé, mais en fait, la rencontre avec Brahmadev, c'est toujours puissant. C'est comme ça. Je peux pas diminuer la puissance. Non.
Et non, il n'y a pas de bouton volume. C'est... Si vous cliquez, après, bah, voilà, l'abandon, ce qui est. Par contre, le résultat est garanti. Le résultat, c'est plus de légèreté, plus de bonheur, plus de joie, plus de bien-être. Ouais. Ça, c'est garanti. Il y a quand même des choses garanties. Pour un truc gratuit, c'est pas mal. En général, il n'y a pas de garantie dans les trucs gratuits, tu vois. Voilà, si. C'est un truc gratuit avec garantie. Ouais, on n'arrête pas le progrès. Ouais, ouais, on n'arrête pas. Respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Je t'aime, Sylvie. Voilà, on voyait plein d'amour. Alors, derrière le... j'en ai marre d'être seul. Et j'en ai marre de souffrir d'être seul. Et j'en ai marre de ne pas être aimé. Donc, il y a un besoin... d'amour et d'être aimé. Donc du coup, tu es au bon endroit. C'est aligné. Oui, car Brahmadev est un fournisseur d'amour. Eh ben oui, il y a bien le DF et le GDF qui fournit électricité et gaz. Eh bien, il y a Brahmadev. BDF. Il y a Gaz de France, Électricité de France, et je vous présente Amour de France. Et en vérité, Brahmadev, bon, il est plus que français. ADF. Et ben voilà, prenez un abonnement chez ADF. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne et recevez de l'amour. Alors, c'est vrai, je vous ai dit l'autre jour que Brahmadev est aussi un fournisseur d'intelligence. Ça, c'est important. Voilà. Intelligence de France. IDF. Oh, ça fait 2 DF de plus ce soir. Oh. Une compagnie d'État. C'est pour ça que c'est gratuit. Ah oui. Eh bien oui. Une respiration. 1, 2, 3. Alors en fait, c'est plutôt amour de l'univers. ADU. Ah, ADU. C'est pas EDF, c'est ADU. Ah, j'adore les sigles. Amour de l'univers. Ah, c'est mieux, ouais. C'est plus Brahmadev, parce que limiter ça à la France, franchement, ça serait dommage. Ah, amour de l'univers. ADU. Prenez un abonnement chez ADU. Inscrivez-vous à la chaîne. Voilà. Ah, comment c'est dans le cœur? Tu sens dans le cœur? C'est chaud, c'est douillet, c'est câlin, c'est aimant. Tu sens ou pas, Sylvie? Comment tu sens? Je me sens... Un peu plus apaisé, quand. Ouais. Et c'est comment dans le cœur? Je sais pas, je m'en rends pas compte, en fait. Non. C'est normal, ouais. C'est parce que, jusqu'à présent, je n'ai pas été habitué à ressentir l'amour dans le cœur. Et c'est ce que nous faisons tous les dimanches, et tous les samedis à 20h, et tous les dimanches à 15h30, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien... Nous allons dans le cœur et nous apprenons à ressentir l'amour dans le cœur. Si, si, ça s'apprend. Le cœur est constitué d'un réseau de neurones. C'est le chakra du cœur. En plus du muscle cardiaque là, qui fait la pompe, il y a plus que ça. Il y a l'amour. Tu vois? Eh oui. Et c'est ça le câlin que je te fais là. Et c'est ça que ton cœur ressent dans ma voix, dans toute l'énergie du groupe, il y a cette évidence que je suis aimé. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il y a la guérison qui s'effectue, parce que le système, il se dit, l'inconscient, il dit, ah, mais je suis aimé. Ah, bah ça alors. Ah, bah comment ça se fait que je suis aimé? La réponse est, t'inquiète et profite. Arrête de poser des questions. Voilà, ça se passe dans le cœur. La réponse est dans le cœur aussi, d'ailleurs.
pourquoi t'es aimé, la réponse est dans le cœur. Oh, c'est beau là ce qui se passe. Vous sentez ? Il y a la réalisation que toutes les questions et les réponses sont dans le cœur et pas dans la tête. Évidemment, mais c'est tellement évident. Quand vous êtes amoureuse et amoureux, c'est pas dans la tête que ça se passe. La preuve, c'est que c'est pas vous qui décidez d'être amoureuse ou amoureux. Non, non, c'est pas vous. D'après toi, qui décide ? Sylvie ? Bah, c'est le cœur, enfin, le cœur. Oui, gagné. Bingo ! Oui, c'est le cœur. C'est mon cœur qui décide tout seul. Qui réagit. Voilà. Tu vois ? Alors, la question c'est, comment je fais pour créer un homme dans ma vie, quoi ? Et des amis. Tu vois ? Parce qu'en fait... Ah, mais j'en ai un. J'en ai un dans ma vie, mais voilà, c'est compliqué. Alors, un homme qui m'aime. Parce que si je suis avec un homme et que je me sens seul, c'est qu'en fait, il devrait déjà être parti, quoi. Tu vois ? Tu sens ? Alors après, nous travaillerons sur le courage. Tu vois ? Et... Ouais, le courage de me libérer. Ouais, c'est ça. Bon, je dois t'avouer, Sylvie, que je suis un peu spécialisé dans l'accompagnement des ruptures amoureuses. Mais je suis aussi spécialisé. Ça me fait penser à Brigitte. Brigitte, voilà. Et c'est aussi son histoire. Et en fait, je suis aussi spécialisé dans les rencontres amoureuses. Je fais les deux. Je fais les séparations et les rencontres. Oui. Par exemple, si vous voulez vous séparer de quelqu'un mais vous ne savez pas comment faire, bah, vous venez me voir. Et puis si vous voulez trouver quelqu'un, vous venez me voir aussi. Voilà. C'est une des spécialités de Brahmadev. Alors, Sylvie, tu sais ce qu'on va faire ? On va faire un truc extraordinaire. Nous allons utiliser une technologie que j'ai découverte il y a peu de temps. En fait, là, je suis chez toi, dans ta psyché, ok ? Donc, je vois tout, je sens tout et je suis avec toi. Hein ? Tu peux sentir d'ailleurs, non ? Que je suis là, tu sens ? T'es pas toute seule, là. Tu dois le sentir que t'es pas toute seule. Ouais, t'es vraiment pas toute seule. Ouais. En plus, il y a tout le groupe. Et nous allons, en étant chez toi, nous allons, nous, le groupe, et puis moi, Brahmadev, vivre émotionnellement la musique que je vais passer. C'est une musique choisie, spéciale, et je vais l'activer. Ça veut dire quoi ? Je vais la vivre avec mon cœur, avec mes tripes, avec tout ce que je suis. Alors, je ne vais pas la chanter, j'ai trouvé un chanteur qui chante bien mieux que moi. Je continuerai à vous chanter des chansons si vous le demandez, mais là, je n'ai pas besoin. Je vais la vivre, la musique, la chanson. Et le chanteur, il est génial. Et du coup, en la vivant, tu sais ce qui va se passer, Sylvie ? Eh bien, ton système va la vivre. Si, si, tout ton système psychique va la vivre. Et tous ceux qui sont connectés à notre groupe, oui, toi là qui m'entends, tu vas la vivre avec moi. Car vous êtes chez Brahmadev, comprenez ? Vous êtes dans mon univers là, vous êtes chez moi, il y a ma présence. Mais moi, je vais vivre un truc. C'est comme ça que fonctionnent tous les épisodes en fait. Hein ? Je me mets en état modifié de conscience, en état de samadhi, je vais dans le cœur et je vis des choses. Ensuite, vous êtes connecté à moi et vous allez vivre comme moi. C'est ça l'idée. Hein ? Et alors, j'explique un peu comment ça marche pour les nouveaux. Et du coup, en vivant l'émotion de ce chanteur, de cette chanson d'amour, quelque chose va se passer, des émotions. Donc, laissez fleurir et vivez-le, mais alors le plus profondément possible. Car cette chanson est un cri du cœur. Elle est parfaitement adaptée à ton besoin. Et ce qui est nouveau, c'est encore une nouvelle technologie de Brahmadev, c'est que je vais la vivre avec toi. Tu sens ? C'est nouveau. Il n'y a pas un thérapeute au monde qui fait ça. Ça vient d'arriver. C'est je vis une musique avec toi. Et je la vis en toi. Pour toi. En étant toi. Et qu'est-ce qui va se passer ?
Ah bah tu vas voir, mais beaucoup de libération. Voilà. Une inspiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, je vais vous préparer ça. En fait, vous avez vu que la série évoluait au même rythme que Brahmadev et Sébastien évoluent. Eh oui. Vous avez vu que c'est toujours différent. Et ça ne peut pas être deux fois la même chose. Car la vie est vivante. Et nous sommes ensemble alignés sur la vie. Ça veut dire quoi ? Être aligné sur la vie, ça veut dire être le changement. Et c'est ça l'air du Verseau. Le changement. Alors restez connectés à cette musique et ressentez dans votre cœur l'expression de ce chanteur. There's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down and you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard. Une respiration ensemble. 1, 2, 3. Et je relâche. Wow. Comment c'était chez toi? J'ai pas souvenir.
les larmes me posent aux yeux. Voilà, laisse couler, laisse faire. Wow, chez moi, c'était très émotionnel, c'était très humide, très mouillé partout. J'ai le corps en sueur, c'était... Car en fait, alors évidemment, il ne le sait pas, mais je me suis connecté au chanteur très, comment dire, profondément, en fait, et intimement. Et son cri du cœur, ah, il est beau. En fait, tu sais qu'il dit comme toi, il a besoin d'amour et d'être aimé. C'est ça qu'il crie. C'est un cri du cœur. T'as senti ? Oui, bah oui, t'as senti. Hein. Vous avez tous senti, d'ailleurs. Waouh ! C'est... J'ai besoin d'être aimé, mais tellement ! Et alors, pourquoi c'est important de le réaliser ? Parce qu'en fait, une fois que vous avez réalisé que vous avez un besoin vital, absolu, d'amour, que va faire l'univers ? Eh bien, il va, d'après toi, Sylvie ? Ouais, il va me libérer. Oui ? Comment ? Il va t'amener ce que tu demandes. Par l'amour. Il va t'amener un chéri. C'est évident. Et en fait, tu fais... pour vous dire un secret. Encore un, ouais. Que je viens de recevoir là. Votre cœur qui a tellement besoin d'amour. Ok. Vous avez le chakra du cœur là, au milieu de la poitrine. Voilà. Tu vois de quoi je parle, Sylvie ? Ce cœur qui a tellement besoin d'amour. Sylvie ? Oui. Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Est-ce que tu le ressens ? Oui. Alors, ce cœur-là, il a une taille énorme. Et il a un besoin infini d'amour. Est-ce que vous savez pourquoi ? Ah, ça c'est la question. C'est vrai ça. Pourquoi ? Depuis mon adolescence, j'ai absolument besoin d'avoir un chéri, d'aimer et d'être aimé. C'est vrai ça. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin, mais moi j'ai besoin. J'ai toujours eu besoin. Et bien la réponse est simple. Parce que dans les moments d'après, à un moment, plus tard dans ma vie, je vais vivre cet amour infini. Et comme le temps n'existe pas, c'est maintenant que mon cœur s'est ouvert. Peut-être que c'est maintenant dans 30 ans, mais du coup, je le vis maintenant, mon ouverture du cœur. Comprenez que tout se joue en parallèle. Et non pas de façon linéaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si vous êtes avec moi maintenant, c'est pour comprendre cela, que votre besoin d'amour existe parce que vous avez ouvert votre cœur. Sinon, vous ne seriez pas là, vous feriez autre chose, vous ne seriez même pas intéressé par l'amour. Ceux qui ont un énorme besoin d'amour ont un énorme besoin d'amour depuis leur adolescence, depuis le début, parce que ils ont ouvert leur cœur dans les moments d'après, pour pas dire le futur, parce qu'il n'y a pas de futur. Et du coup, comment c'est vécu à l'adolescence et puis maintenant même, bah c'est vécu, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de donner, j'ai besoin de recevoir. Tu sens ? Ouais. C'est parce que le temps n'existe pas et parce que je vis un amour très puissant dans ce qui s'appelle le futur, mais en fait qui est dans les instants d'après, que j'ai maintenant ce manque d'amour en moi. Tu sens ?
Tu vois, tu vois la logique ? Alors, tu me diras, bah, c'est bien beau ton truc, mais ça fait mal. Ben oui, ça fait mal. Alors, pour ne plus avoir mal, en fait, c'est simple. S'abandonner au cœur, se laisser tomber amoureux, amoureuse. Voilà. Sans rien attendre, évidemment. Tu vois ? Je peux me laisser tomber amoureuse, même de quelqu'un qui ne me connaît pas ou qui est juste sur Internet, d'ailleurs, peu importe, parce que c'est dans mon cœur que je vais me nourrir. Tu vois ? Le nombre de personnes amoureuses des acteurs de télé, franchement, il y en a plein. Et c'est OK. C'est OK. Ça n'a pas d'importance si l'autre est là ou pas là. À la limite, vous êtes moins embêté avec un acteur de télé. Parce qu'il n'est pas accessible en général. Donc, comme ça, il ne va pas vous embêter. Tu vois ? Mais vous avez le bénéfice d'être amoureuse. Avec le cœur qui s'ouvre. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourquoi je te parle de tout ça ? Parce que il y a la réalisation que je vais à un moment être comblé en amour. C'est mathématique. Tu sens ou pas, Sylvie ? Sinon, j'aurais pas un cœur comme ça. Tu comprends ? Alors, est-ce que j'ai déjà vécu une histoire d'amour, Sylvie ? Est-ce que si je te pose cette question et je suis dans ton système, qu'est-ce qu'il y a comme réponse ? Tu peux répéter la question ? Est-ce que j'ai déjà vécu une histoire d'amour où je suis tombée vraiment amoureuse ? À en perdre la raison ? Disons que oui, j'ai déjà eu des coups de foudre. Après, ça n'a pas été plus loin que ça, quoi, en fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Alors, nous avons des affirmations positives à dire, des mantras. Dites avec moi. Je m'aime. Parce que je m'aime. Je me respecte. Alors, exprime en vrai. Dis comme moi, comme une actrice. Parce que je m'aime, je me respecte. Parce que je m'aime, je me respecte. Parce que je m'aime, j'ose. Parce que je m'aime, j'ose. Parce que je m'aime, je trouve la force en moi. Parce que je m'aime, je... Laisse pleurer tranquillement. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Dites avec moi. Je trouve la force en moi. Je trouve la force en moi. La force est déjà en moi. La force est déjà en moi. Je me libère de toute emprise. Je me libère de toute emprise. J'ose dire non. J'ose dire non. J'active mon autorité de femme. J'active mon autorité de femme. Je décide pour moi. Je décide pour moi. J'ai foi en moi. J'ai foi en moi. J'ai foi dans l'être en moi. J'ai foi dans l'être en moi. Comment tu te sens, Sylvie ? Ça va. C'est comment dans le cœur ?
Voilà, envoyer de l'amour à Sylvie, c'est un travail de groupe où chacun soutient chaque un. Voilà, laisse faire Sylvie. En fait, laisse-toi guider par les ressentis intérieurs, par ton être. L'être qui sait exactement pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, où il va, tu vois, Sylvie. En fait, peut-être que il y a de la confusion et que c'est un peu étrange et je comprends pas tout, mais il y a un truc dans mon cœur qui s'appelle l'être et lui, il sait. Voilà. Et je peux m'aligner là-dessus. Tu vois, une petite voix interne, tu vois, qui se sent bien, qui sent que ça lui fait du bien. Tu la sens, cette voix, Sylvie? Tu vois, ouais. c'est comme une lumière dans l'obscurité, c'est comme un phare dans la nuit. C'est, même si ça a l'air un petit peu, même si il n'y en a pas beaucoup au début, mais c'est là que ça se passe. Et là, il y a cette lumière en moi, cet amour, et je vais m'ancrer dedans. Je vais m'installer dedans. Je déménage. Oh, c'est beau comme mantra. Dites avec moi, je déménage dans le cœur. Je déménage dans le cœur. Voilà. Je suis hébergé dans le cœur maintenant. Je suis hébergé dans le cœur maintenant. Je prends refuge dans le cœur. Je prends refuge. Oh, c'est beau, merci Sylvie pour ton être magnifique et ton passage. Oh, c'est des beaux mantras. Dites avec moi tout le groupe, ça c'est le cadeau de Sylvie, hein. Je prends refuge dans le cœur. Waouh. Et vous sentez que Marie est là. Elle est tellement là, Marie. Elle est restée avec nous. Elle a coloré tout le paysage. Merci, Marie. Merci d'être là. Et merci, Annie aussi. Annie est là aussi. Oh, elles ont un cœur, Marie et Annie. Oh, merci, gratitude à Annie et à Marie. En fait, il y a un groupe sur Facebook où tu peux avoir du soutien, Sylvie. Donc tu pourras contacter Annie. C'est le groupe. Je suis abonnée. Ah voilà. Bon. Et là, tu peux passer du temps avec Annie, avec Marie. Elles sont là pour toi, elles adorent aider. Et parce qu'en fait... elles sont passées là où tu es passé. Tu comprends? Du coup, pour elles, le chemin, il est connu. Et voilà. Et du coup, elles peuvent partager, soutenir, parce que... voilà. Et c'est important. Bah, comme vous allez visiter une montagne, bah, vous prenez un guide, parce que y a des trous, faut pas tomber dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ah ouais, des fois la vie c'est une montagne, il y a besoin d'un guide. Alors c'est un guide momentané, mais c'est il y a des endroits, il vaut mieux être guidé quoi. Et surtout quand il y a des difficultés, quand ça va mal, quand c'est difficile, un petit guide, hop, un petit peu, pas tout le temps, pas définitivement non plus, mais pendant un certain temps, hop. Accepter d'être guidé, soutenu, et après retrouver son autonomie. C'est pas... tu vois, c'est juste provisoire. Mais c'est bien, quand même.
tu vois. Et c'est ok d'avoir besoin d'être quitté ou d'avoir besoin d'être aidé momentanément. C'est Sébastien aussi, il a besoin souvent. Et ouais, il a plein de clairvoyants qui l'aident. Il y a beaucoup de ressources. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Du coup, le cadeau de Sylvie, c'est le mantra, dites avec moi, gratitude d'être aidé. Ah, c'est beau. Ouais. Gratitude d'être aidé. Gratitude d'être aidé. Oh. À l'univers, je t'aime. Dis avec moi, à l'univers, je t'aime. Je t'aime. Merci de me guider. Merci de me guider. Merci de me soutenir. Merci de me soutenir. Merci de m'apporter toujours toutes les solutions. Merci de m'apporter toutes les solutions. Toujours. Comment tu te sens? Ça va, je tremble. Voilà, allez, ok. Ben, en fait, pour aujourd'hui, c'est bien, parce qu'en fait, c'était déjà très fort, en fait. Ouais. Parce que moi, j'ai fait comme d'habitude, en fait. Mais comme tu es nouvelle, je comprends le séisme. Tu vois, il y a tout le corps qui tremble, il y a tout le... C'était tellement émotionnel de chanter en étant chez toi cette magnifique chanson. Alors, il y en a qui me demandent le... Alors, en fait, j'ai créé une playlist sur YouTube. Et dans cette playlist, elle y est, hein, la chanson. Ça s'appelle Pop. Voilà, sur YouTube, j'ai une playlist qui s'appelle Pop. Et là, je viens de diffuser le lien. Et c'est génial. Oh, bah, je te fais un gros bisou. Tout le monde avec moi. Sylvie, je t'aime, Sylvie. Merci pour ton courage, ta présence, tout ce que tu nous as offert. Oh, c'est beau, c'est tellement beau. Merci à toi. Oh, et merci au groupe, hein. Merci au groupe d'avoir vécu la chanson avec nous et de soutenir Sylvie. Merci au groupe, merci à tout le monde. Sylvie, repasse quand tu veux, ok? Tu passes quand tu veux. D'accord. C'est tous les samedis, dimanches, 20h. Et en fait, là, c'est le début d'un processus de transformation. Tu peux regarder toutes les vidéos sur mon YouTube des méditations, des passages, des personnes. Et au bout d'un moment, tu vas voir, tout va changer. Et l'amoureux va venir. Ça, c'est sûr. Il est déjà là, en fait. Et tu vois, il est déjà là. Et c'est ok. Tu sais, c'est ça. Hein? Oui, non, je vais te dire, c'est. Pourquoi j'en suis arrivée là, c'est que, en fait. Et en fait, j'ai toujours été toute seule, quoi. Depuis toute petite, quoi, en fait. Ça a changé ce soir. Tu n'es plus toute seule. Dites avec moi le groupe. Sylvie, tu n'es plus toute seule. Waouh, sentez dans votre cœur. Ah, gratitude, tu sens la joie. Il y a avant et après, maintenant. Ouais. Tu vois, avant, je me sentais seule. Et là, je sais que je ne suis pas seule. D'ailleurs, c'est vraiment le thème de la journée. Tu vois, avec la chanson de... We are the world, imagine, tu vois toutes les chansons qu'on a, et puis là, les chansons d'amour. En fait, il y a vraiment cette union, ce ressenti que, évidemment, je ne suis pas seul, c'est évident. Il suffit d'entendre la musique, d'écouter les chanteurs, les chanteuses, et il y a cette réalisation que, évidemment, je ne suis pas seul. Le seul truc qui a changé, c'est j'ai trouvé un groupe où je peux recevoir de l'amour gratuit. Tu vois ? Ouais. Sans m'engager à quoi que ce soit. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de... Les gens, ils rentrent, ils sortent. Tu vois, c'est pas... C'est pas... Il n'y a pas de... Il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de structure, de fiche d'inscription, de je sais pas quoi. Non, il n'y a rien.
Vous venez, vous partez, vous venez, vous partez, vous partez, vous venez, vous faites. C'est libre, en fait, tu vois. Mmh. Et là, je peux passer à l'antenne, recevoir de l'amour, et puis je suis contente. Tu vois. Et soutenir les autres aussi. Voilà, vous pouvez soutenir ceux et celles qui passent. Et déjà, ça vous fait un travail, hein. Ah bah oui, être là avec nous et juste envoyer votre amour, votre compassion, votre cœur, tout ce que vous ressentez pour la personne qui passe, ah bah, franchement, c'est génial, c'est déjà énorme. Ah, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un acte physique de compassion. Si, si. Peut-être vous avez l'impression que vous ne faites rien, juste écouter. Non, non, vous êtes actif, là. Ah non, non, vous ne croyez pas que vous ne faites rien. Elle le sent, Sylvie, je le sens, tout le monde le sent ici. C'est vrai, je le sens. Tu vois, hein, tu le sens. Tu sens que tu es aimée, là. Tu sens que tu n'es pas toute seule. Ouais. C'est... Ouais. Parce qu'il y a une présence, il y a les guides. Vous savez, les guides, là, ils sont là, en fait, ils sont tous là. En fait, c'est énorme ce qui se passe. Tu vois, c'est vraiment... C'est beau, c'est tellement beau, c'est du cœur incarné, quoi. C'est de l'entraide incarnée, c'est du soutien concret, c'est pas du blabla. Tu vois, c'est pas un discours spirituel qui vend je sais pas quoi. Non, 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 c'est juste du cœur. Du cœur gratuit. Tu sens ? Wow. De toute façon, le cœur, il est toujours gratuit. Bah oui, évidemment. Sinon, c'est pas du cœur. C'est du cœur manipulé. Ah, ça existe, ça. Ouais, le cœur manipulé. Enfin, c'est un autre sujet. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Faites un om dans le cœur à Sylvie pour lui dire au revoir. 1, 2, 3. C'était un home, hein. Ça m'a sonné. Pouf. Vous avez vu, ça vibre aujourd'hui. C'était pas comme ça avant. Il y a un truc qui a changé. Vous sentez? C'est vachement fort, les homes. Tout est fort aujourd'hui. C'est très émotionnel. C'est très puissant. C'est très. Wow. C'est-à-dire que le groupe progresse. Eh ben oui, vous n'êtes pas les mêmes qu'il y a 2 mois. Non, non, non. À force de venir tous les dimanches et tous les samedis, ou toutes les méditations. Mais vous progressez. Mais oui, le groupe a progressé. En plus, il y a l'air du Verseau. Nous sommes un cœur en puissance. C'est ça, le groupe. Vous sentez? C'est l'air du Verseau. C'est pas juste Brahmadev. Non, 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 non. C'est toi qui m'entends, qui fais un câlin à Sylvie, à Marie, à toutes celles et ceux qui passent. Comprenez que, comment dire, la pyramide, c'est fini. La pyramide avec le truc en haut de la pyramide qui décide de tout, c'est fini. Maintenant, c'est le réseau, networking, network, réseau. Comprenez ? Réseau, Internet. Internet, égalité de chaque nœud. Nous sommes tous un nœud du réseau. Tu vois? Alors, oui, Brahmadev, il crée la structure. Parce que Brahmadev, c'est aussi Métatron. Donc, c'est très méta et métastructure. Mais dans la structure, nous jouons ensemble. Vous voyez? Eh ouais, c'est un travail de groupe. Ah ouais? Eh oui, c'est évident. C'est ça, la multidimensionnalité, c'est, comment dire, comprendre que vous avez un impact sur l'autre, même si l'autre, il passe à l'antenne et que vous, vous êtes chez vous. Et ouais, parce qu'en fait, en vérité, il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. Tout ça,
C'est une illusion. Eh ouais. Bon, je comprends que ça soit un concept au début, mais faites-moi confiance sur ce point-là, si c'est pas encore réalisé. Mais le temps n'existe pas. Alors beaucoup sont fermés là-dedans. Et puis l'espace non plus. Eh ben ouais, bah ça prend des années à intégrer, mais à un moment vous allez voir. Si vous restez avec moi, je vous garantis qu'à un moment vous allez comprendre. Il n'y a pas de temps. Non. Je reste avec toi, c'est sûr. C'est gentil. Je t'aime. Merci. Et... moi aussi, je t'aime aussi, Lucie. Voilà. Bon, en tout cas, tout le monde avec moi. Sylvie, je t'aime. Gratitude. Merci. Je t'aime aussi, merci beaucoup. À bientôt. Merci voilà. Pour tout le groupe. Repose-toi merci bien. Beaucoup. Voilà. Continue la méditation, merci. Les yeux fermés. Prends du temps pour toi. Restez dans cette ambiance. Encore. Voilà. Ok, pour intégrer, hein, parce que c'était un peu fort. À bientôt, merci. D'accord, je t'embrasse. Je t'embrasse. Merci, au revoir. Gratitude. Au revoir Sébastien, merci beaucoup. Au revoir.